Our final presenter is Claire Shaheen. And Claire has created and directed the leather and parchment section of the CRCC. It was a real privilege for me to meet her finally after reading all about her impressive work on the study and the characterization and stabilization of leather and parchment. She was a coordinator of the ICOM-CC Leather Group for many, many years and really led that group in a variety of different ways. She's an expert for the European Commission for Evaluation of Research Protocols and Projects. She's participated in three European research programs on the deterioration and conservation of leather and parchment. She now collaborates with the Archaeological Unit of Saint-Denis for a better knowledge of their leather collection with a view to publication. She teaches, which is really fantastic, so she can share her knowledge and her enthusiasm for this subject with students. She teaches at the Institut National de Patrimoine. And most importantly and most excitingly for Claire, certainly, and for all of us, is yesterday was the date of publication for her new book, which you see here, on parchment and leather, which is clearly destined to the New York Times bestseller list in the nonfiction section. And for all of you, she has copies of this book, which are available and which she will sign, which is really a special treat. And so congratulations, Claire, on your book, which is just a wonderful testament to your legacy and the work that you've done for so many years and the way that you have advanced our knowledge. So she'll be speaking this morning about her work on leather and characterization of leather. Merci, Madame la Présidente. Et bonjour. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir invité à cette somptueuse conférence et je les félicite pour cette organisation. Bon, ma présentation va porter sur le cuir, sur le matériau. Elle va un petit peu se différencier des deux présentations précédentes sur les bâtiments. Voilà. Le cuir est très ancien, comme en témoigne par exemple cette chaussure qui a été découverte en 2008 dans une grotte d'une province arménienne. Elle est connue, elle est donnée comme la chaussure la plus ancienne que l'on connaisse. Et en effet, sa datation carbone 14 l'a fait remonter à 5500 ans. Le cuir a servi au cours des siècles à la fabrication d'une multitude d'objets destiné à une utilisation courante, mais aussi à l'expression de valeurs artistiques ou spirituelles. À ce titre, c'est un matériau important pour la connaissance des habitudes de vie, ce qui permet d'élargir notre perception du passé. Malheureusement, il n'a pas toujours suscité l'intérêt qu'il mérite. La fabrication du cuir est le fruit d'une longue série d'expérimentations. Par des tâtonnements successifs, le tanneur a su s'adapter à la demande qui n'a cessé d'augmenter et de se diversifier. Différents procédés ont été développés, d'abord frustes, puis aboutis, plus aboutis, selon les époques, les besoins, les matières à disposition. En termes de tanins, on citera la graisse, la lin, les tanins végétaux, le chrome, pour ne citer que les principaux tanins. Aujourd'hui, c'est essentiellement le tannage au chrome qui est pratiqué. Il représente plus de 80% de la production mondiale. Et aujourd'hui, un peu le tannage végétal qui, historiquement, a été le plus utilisé. Les propriétés que ce type, ce tannin, le tannin végétal, confère au cuir sont uniques. Le cuir est facile à travailler, il peut se remouiller, conserver un décor imprimé. Il peut se compacter, ce qui peut être intéressant pour les semelles de chaussures. Le tannage au chrome l'a supplanté dans de nombreux domaines, mais il ne convient pas à certaines réalisations, comme en reliure, en sellerie ou en bourrellerie. Bien que des tanneries importantes aient pu se développer, la fabrication du cuir est restée
le plus souvent domestique ou artisanal, organisé pour répondre à une demande locale. Les encyclopédies du XVIIIe siècle décrivent des temps très longs, pouvant aller jusqu'à 2 ans pour les grandes peaux, en cuve ou en fosse, dans des décoctions d'écorce. Mais, avec l'accroissement de la population, les demandes deviennent importantes. Il faut produire plus, donc plus vite, et améliorer les rendements. À la fin du XIXe siècle, la nécessité d'avoir des cuirs en quantité suffisante, notamment pour équiper les armées, promeut l'implantation d'unités de plus en plus grandes qui tendent à se regrouper pour améliorer les rendements. Les tanneries se mécanisent. Enfin, voilà, on voit là un exemple d'augmentation de la taille des installations. Les tanneries se mécanisent. Ici, on voit le ponçage sur chair, par exemple, qui date du début du XXe siècle. Et puis, en bas, une écharneuse. Certaines tanneries prennent des proportions importantes, comme on peut le voir ici. Les extraits tannants, les équipements mécaniques qui accélèrent la pénétration des composés dans la peau, les auxiliaires chimiques qui facilitent et accélèrent le travail, vont permettre de répondre à ces exigences de quantité. Malheureusement, le raccourcissement des temps ne se conjugue pas avec une qualité de cuir pouvant résister au temps. Il faut en effet, comme dit le tanneur traditionnel, du temps, qui est l'écorce de chêne, et du temps pour produire un bon cuir. Le tannage au chrome fournit un cuir stable, de fabrication rapide, qui peut se teindre dans toutes les couleurs, ce qui n'est pas le cas du végétal, et qui s'adapte à pratiquement tous les besoins, sauf les quelques exceptions précédemment citées. C'est le plus récent des procédés, né de la révolution industrielle. Son utilisation s'est développée à la fin du XIXe siècle, marquant un bouleversement dans l'industrie du cuir. Après la Seconde Guerre mondiale, il se hisse au premier plan des procédés, remplaçant quasiment tous les autres, même le tannage végétal, encore beaucoup apprécié jusque-là. Cependant, il a 2 inconvénients majeurs. La formation possible de chromates, qui sont allergènes et cancérigènes, et puis le fait que les mines de chrome soient concentrées dans certaines parties du monde, en Afrique du Sud essentiellement, ajoutant à la pollution les problèmes d'acheminement. Voyons maintenant les problèmes de conservation. Le cuir de tannage, tel qu'il est fabriqué de nos jours avec les procédés rapides, résiste très mal à la pollution. Et le problème est particulièrement crucial pour les reliures, qu'elles soient nouvelles ou bien restaurées avec des cuirs modernes, les bibliothèques étant généralement au cœur des villes. On s'est vraiment préoccupé de ces questions à la fin du XIXe siècle et à propos justement des reliures. Les autres objets en cuir n'ont pas été alors le centre de telles attentions. Ce sont les Anglais, les précurseurs, qui, au milieu du XIXe siècle, ont attribué la dégradation des reliures de livres aux composés acides qui se dégagent des éclairages à gaz. À la fin du siècle, une commission composée de bibliothécaires, de relieurs, tanneurs et chimistes a été chargée de visiter les bibliothèques importantes pour faire des constats et des recommandations. Cette commission présenta un rapport en 1901, connu peu après en France d'ailleurs, dont les conclusions les plus importantes étaient les suivantes. Ce sont les cuirs de tannage végétal qui avaient subi les plus fortes dégradations, dans les pièces sans ventilation éclairées au gaz, surtout les dos, qui sont les parties les plus exposées. Les cuirs à la lin et les parchemins s'étaient plutôt bien conservés, comme la plupart des reliures antérieures à 1830. Il était recommandé de fournir une bonne ventilation et une température modérée pour assurer la conservation, et pour la fabrication de nouveaux cuirs, de préférer les tanins hydrolysables
au tanin condensé. Ce sont les deux familles de tanins végétaux qu'on utilise parce que les tanins condensés communiquent une moins bonne résistance. L'utilisation d'acides forts et le travail mécanique trop intense étaient prohibés. Il y avait déjà là, au tout début du XXe siècle, toutes les bases des travaux qui devaient suivre sur la dégradation, conservation du cuir. Et une bonne connaissance des problèmes, puisqu'on n'avait pas seulement mis en cause les mauvaises conditions environnementales, mais également les défauts des procédés modernes de fabrication. Les reliures anciennes s'étaient en effet plutôt bien conservées. Cependant, les tanneurs n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt pour ces recherches. Et malheureusement, un siècle plus tard, on en est au même point. On n'est toujours pas en mesure de fabriquer des cuirs de tannage végétal pouvant résister au temps et à la pollution. De nombreux travaux ont suivi les travaux anglais afin de reproduire la dégradation pour mieux l'étudier. On connaît bien maintenant la dégradation. Des recherches importantes ont été réalisées, en particulier dans le cadre de deux projets européens consacrés aux cuirs de tannage végétal, où ont été analysés comparativement des cuirs anciens et des cuirs modernes vieillis artificiellement en chambre de pollution. Les résultats ont confirmé les observations précédentes, à savoir la mauvaise propriété des cuirs de tannage végétal d'absorber des composés soufrés présents dans les atmosphères polluées, où ils sont transformés in situ en acide sulfurique, redoutable agent d'hydrolyse. Cette absorption est plus importante pour les cuirs préparés avec des tanins de la famille des condensés, ce qui entraîne des altérations plus importantes, comme le montre cette photo. En milieu très acide, pollué, l'hydrolyse est prépondérante, alors qu'en milieu sec et chaud, c'est l'oxydation qui prend le pas, la dégradation évoluant selon les variations environnementales. À l'occasion de ces projets, des recommandations ont été faites pour la fabrication d'un cuir de tannage végétal plus résistant, notamment par l'emploi de tanins hydrolysables uniquement. Il y a quelques années, la Bibliothèque nationale de France, en collaboration avec le CRCC, a entrepris une étude comparative de cuir pour la reliure existant sur le marché et provenant de diverses tanneries européennes. Ils ont été mesurés à l'aune des recommandations des projets européens. La surprise des auteurs a été grande de constater qu'un quart de ces reliures, de ces cuirs pour la reliure, contenait du chrome et que la quasi-totalité des autres était faite de tanins condensés, ce qui n'était pas très satisfaisant. Parallèlement, le projet de faire fabriquer des cuirs plus résistants n'a pu aboutir, comme tous ceux qui avaient été tentés auparavant. Le faible marché des cuirs de tannage végétal par rapport au chrome fait que les tanneurs ne sont pas prêts à changer leur train de fabrication. Pourtant, sans bien sûr revenir à des procédés très longs, incompatibles avec une économie moderne, il y aurait certainement des possibilités de modifier la fabrication à différents stades, comme le préconisait déjà le rapport anglais du début du XXe siècle, ne serait-ce que en utilisant des tanins purs hydrolysables, et puis aussi de préférer certaines huiles de nourriture. Toujours dans le but d'une meilleure résistance, le retannage du cuir végétal au sel d'aluminium a été proposé, mais il ne semble pas avoir trouvé de nombreuses applications. Ajoutant à la difficulté, il faut quand même dire qu'on importe maintenant des peaux qui sont pré-tannées ou même déjà tannées, dont on ne maîtrise pas les substances utilisées dans leur pays d'origine. Au plan mondial, des recherches sont certes faites pour améliorer la fabrication, mais elles concernent la réduction de la pollution. Si elles sont satisfaisantes pour l'environnement, elles ne se préoccupent pas de la conservation à long terme du cuir de tannage végétal. La faible durabilité des cuirs modernes inquiète conservateurs et restaurateurs
qui constate que des restaurations de reliures sont à refaire au bout d'une trentaine d'années. Ils sont donc en demande d'autres types de cuir. Ainsi, le cuir au chrome m'a déjà intéressé dans le domaine de la reliure, en particulier des artistes relieurs pour des créations contemporaines et même des restaurateurs. Ce cuir au chrome est utilisé aujourd'hui pour toutes sortes d'objets qui se retrouveront un jour dans les musées. On lui attribue une bien meilleure résistance chimique, mais s'il peut être satisfaisant pour la conservation, il l'est moins pour l'environnement. On va voir maintenant les problèmes de pollution. Le métier de tanneur a toujours été considéré comme le plus malodorant et le plus polluant, pollution de l'air, de l'eau, de l'espace. Les tanneries étaient donc généralement reléguées à la périphérie des villes. Les rivières étaient chargées d'immondices et les ordonnances succédaient pour tenter de contrôler les rejets. Pour citer l'exemple de Paris, des ateliers s'y étaient établis dès la première moitié du XIVe siècle, près du Châtelet et du quai de la Mégisserie. Devant les nuisances croissantes, au XVIe siècle, plusieurs décrets enjoignent de mettre hors la ville, ces ateliers, les invitant à s'installer sur les bords de la Bièvre, rivière alors bucolique, qui traverse Paris au niveau d'une partie des 13e et 5e arrondissements. Ces artisans parisiens iront rejoindre les tanneurs et les teinturiers qui s'y étaient installés dès le XVe siècle, attirés par les eaux de la Bièvre, réputés être les seuls propres aux belles teintures d'écarlate et à la meilleure fabrication des cuirs. Ces activités autour de la Bièvre ne cessent de s'amplifier, augmentant la pollution, et avec le temps, la Bièvre devient le centre d'une agglomération ouvrière. En 1850, 10 000 à 15 000 personnes sont employées aux tanneries et usines sur un parcours de 2 à 3 km. Cette pollution aura raison de la Bièvre, devenue un véritable égout à ciel ouvert. Malgré tous les règlements d'assainissement, et elle sera recouverte progressivement intramuros de 1864 à 1912. Si l'activité artisanale est source de pollution locale, l'augmentation de la taille des installations a amplifié le phénomène. Les tanneurs aujourd'hui se préoccupent de réduire les consommations d'eau et d'énergie, mais surtout les rejets dans les rivières. De plus en plus d'enzymes réputées biodégradables sont utilisées à tout niveau de la fabrication pour diminuer la charge en matière solide des effluents, déjà au niveau de l'épiellage, qui est la première phase de la fabrication, qui est responsable de plus de 60% de cette charge. Les enzymes aident aussi au tannage, à la teinture, en améliorant la diffusion et l'épuisement des bains, ce qui en diminue les rejets. Les ultrasons sont utilisés dans le même but. La connaissance des risques pour la santé dans le domaine du cuir augmente de jour en jour, avec les problèmes posés par le formaldéhyde, les colorants azoïques, les fongicides synthétiques que l'on tente de remplacer par des substances naturelles contenant des huiles essentielles. Mais c'est surtout le chrome, la grande préoccupation des tanneurs, avec la transformation possible des sels tannants, c'est le sulfate ou le chlorure, en chromate, que l'on retrouve dans les effluents et même dans les cuirs finis, qui deviendront cuirs usés, déchets polluants, traités comme les déchets domestiques par incinération, mais le chrome reste présent dans les résidus d'incinération. Des questions ont été soulevées sur la source de ce composé et sur la façon dont il se forme. Plusieurs causes sont possibles. D'une part, la préparation des sels de chrome, c'est le chrome de valence 3, qui se fait par réduction de bichromate. Et il est possible, si la réduction est incomplète, que du chrome hexavalent soit présent dans le sel tannant que l'on va retrouver dans les effluents. L'oxydation peut se produire au cours de la fabrication, comme par exemple lors de la neutralisation du cuir en milieu alcalin à certains stades. Elle peut se produire aussi pendant le séchage à forte température.
La formation de chromates nécessitant une certaine quantité d'énergie, on suspecte l'oxydation du chrome 3 en présence de soleil dans les articles en cuir. On suspecte aussi certains types d'huiles de nourriture qui peuvent libérer des peroxydes, ce qui favorise l'oxydation. De nombreux travaux sont menés pour le remplacement du chrome, partiel ou total. Une possibilité est le tannage mixte, qui réduit les quantités de chrome. Les tannins végétaux y trouvent leur place et leurs propriétés antioxydantes sont intéressantes puisqu'elles peuvent limiter la formation de chromates. Les sels d'aluminium, qui sont non polluants, sont également proposés, ou encore des procédés combinant chrome et aldéhyde. On cherche aussi à remplacer totalement le chrome par d'autres minéraux à moindre impact, comme la silice, l'aluminium ou le titane. Jusqu'à ces dernières années, on se préoccupait essentiellement des effluents. On s'occupe maintenant du recyclage des déchets de cuir pour différents emplois. Et la réglementation sur les taux résiduels va s'appliquer non pas seulement aux effluents, mais aussi au cuir eux-mêmes. Sur proposition du Danemark, des négociations sont en cours à la Commission européenne pour limiter la concentration de chrome 6 à 3 mg par kilo, qui est la limite de détection, parce que des analyses ont fait état de concentrations beaucoup plus importantes, jusqu'à 14,7 ppm dans des articles en cuir. Bien sûr, des voix s'élèvent parmi les tanneurs contre ces régulations qu'ils trouvent drastiques, ce qui va les obliger à modifier un peu leur fabrication, et ils craignent notamment la fermeture de tanneries européennes au profit d'autres pays moins stricts sur les réglementations. Alors, quel cuir pour l'avenir? Le tannage au chrome ne va pas disparaître dans l'immédiat. Il présente trop de qualités commerciales. Mais on peut espérer qu'avec les problèmes qu'il pose, et dont on a de plus en plus conscience, que ces problèmes favoriseront le tannage végétal, bien que, il faut le souligner, il soit plus gros consommateur d'eau et d'énergie que le chrome. Et donc, le tannage végétal n'est pas tout à fait un tannage, un procédé écologique, comme l'avancent certains. Si le marché du végétal prend de l'importance, les tanneurs pourront alors investir dans la qualité, non pas seulement commerciale pour répondre aux exigences de la mode, mais pour la conservation à long terme. Je vous remercie. Thank you, Claire. Bertrand, do we have time for questions, do you think? A few questions? Two questions, but we have three people. Three questions. Okay, can I have our panelists, our speakers, come up front? We have time for three questions, and ideally, each person will get one question, but let's see how that goes. Claire, so you can stay up here. Yeah. And then we'll break for coffee. Just come up and, take a mic. Yeah. Okay, so are there any questions for any of our three speakers this morning? Okay, come on, you guys, because they just came all the way up on the stage. Okay. Une question pour Claire Chahine. Je voulais savoir quelle est la possibilité que le cuir à la lin ou au sel d'aluminium se développe et s'il est vraiment si peu polluant que ça. Oui, certes. Mais il y a très très peu de tanneries maintenant qui fabriquent du cuir à la lin. C'est peut-être aussi une possibilité pour qu'il se développe. S'il n'est pas polluant, ça ne peut pas remplacer le chrome. Non, il n'est pas polluant. Mais il faut quand même ne pas oublier que ça a été précisé lors d'une intervention précédente, que le cuir à la lin, comme le parchemin, conserve des aspects
à peu près corrects quand ils sont exposés ou quand ils sont pollués, mais que parfois des analyses montrent qu'ils sont beaucoup plus détériorés que leur aspect pourrait le prouver. Enfin, de façon générale, le cuir à la lin est plus résistant que le cuir de tannage végétal tel qu'il est fabriqué de nos jours.